Bonjour à tous, vous êtes sur Télégoël, merci de votre fidélité. Nous sommes le vendredi 19 octobre, voici le sommaire de votre édition. La semaine du goût à Grenay. Des calculatrices pour les collégiens liévinois. Le village des sciences cette année à l'IUT de Lens. Un belvédère sur le terri des Glissoires. Notre coup de loupe du jour, le rallye de l'armistice. Et on démarre tout de suite avec la foire de Lens. Des maillots de foot, un stade de foot et pas des moindres, le stade Bollaert, des gradins de foot, des vestiaires de foot, vous êtes au RC Lens, mais à la place de l'hymne des supporters lensois, une musique salsa. Les joueurs ne sont pas là pour fouler le terrain, mais pour assister comme plusieurs milliers de visiteurs à la deuxième édition de la foire commerciale des Hauts-de-France, organisée par le RC Lens en partenariat avec la ville de Lens. C'est évident pour nous, c'est très important, 20 000 personnes. Mais aujourd'hui, on essaye, disons, de dynamiser le centre-ville. Je prends l'exemple, le week-end dernier, nous avons eu la braderie qui a apporté 18 000 personnes, par exemple. Donc c'est un événement parmi d'autres, mais qu'on appuie et qu'on sera bien sûr tout. On fera tout pour mettre les moyens pour que celui-ci puisse développer et que les structures puissent accueillir. Beaucoup d'entreprises et de commerces étaient présents sur la foire pour offrir aux Lensois des prix exceptionnels sur par exemple les fenêtres, les cuisines, les voilages, l'immobilier, mais aussi les casseroles et la gastronomie, avec notamment des dégustations en tout genre, saucissons, fromage, nougat et fruits secs comme Chantal et Ken ont pu faire découvrir aux nombreux visiteurs. Bah c'est bien d'organiser des événements comme ça pour faire découvrir les différents produits, continuer à faire marcher les artisans, parce que c'est un métier qui a tendance à se perdre et c'est un beau métier. Donc c'est des bons événements qu'il faut continuer à organiser et à venir visiter. Oui. J'adore le concept, je trouve ça c'est spécial. Donc justement on voit pas ça partout, c'est ce qui m'a fait venir d'ailleurs. Puis j'ai le sourire moi. Je suis contente. Hein. Les commerçants sont contents et les visiteurs également qui ont eu leur entrée dans les coulisses du stade. Voilà, c'est-à-dire qu'on a souhaité joindre l'utile à l'agréable. Donc une foire commerciale avec des exposants qui vont pouvoir présenter leur savoir-faire, notamment des artisans de la région, mais également de proposer à travers ce week-end à la population et aux supporters de pouvoir visiter les artères du stade. Pouvoir aller sur le bord de pelouse, pouvoir faire des photos sympas, selfies, pouvoir également visiter les vestiaires pro, ce qui est assez rare. Voilà, donc on ouvre les coulisses du stade, les salles de presse, etc., les salons VIP, et puis les gens vont pouvoir venir se promener et puis profiter des lieux. Voilà, Bollaert mérite aussi d'accueillir d'autres événements que le football, et c'est le cas avec cette foire commerciale. Une foire commerciale animée par la voix du stade, celle de Roger Rudinski, qui nous a offert un petit souvenir dont les supporters vont certainement se rappeler. Celle, la voix du stade, comme on dit toujours, celle de Roger Rudinski. Ouais, bah, je vous rappelle, j'étais élu quand même deux fois le micro d'or du football français, 98 évidemment. On est champion de France, on fait la Champions League. Donc, et en 2004 également, j'étais de nouveau reconnu comme un micro d'or du football français. Et puis ça fait 30 ans, et là, j'ai arrêté sans savoir. Vraiment arrêté, quoi. Hein, donc, t'entends, je suis encore là, je présente la foire. Mais ici, évidemment, la voix du stade, c'est toujours celle de sans me vanter. Je ne vais pas me vanter, hein, je ne suis pas là pour... Mais les gens me connaissent tellement, c'est celle de Roger Rudinski. Ah, Roger, avec le but. Vous voulez que je vous fasse le but qui m'a fait bien connaître? Alors, c'était devant Marseille. Alors, c'était avec Jimmy Adjoubeko qui a le ballon, qui va passer la ligne médiane. Jimmy Adjoubeko qui est sur le ballon, qui va sortir en contre du bout du corner. Jimmy Adjoubeko, il s'entre, c'est Roger Molli qui reprend. Et c'est le but! But pour Lens! Ça, c'est un échantillon. Ça va, ça part trop, non? C'est bon. Une nouvelle fois, donc un succès pour cette foire commerciale 2019. Rendez-vous en 2020 pour la troisième édition. Sonia, la luna me hace. Sonia. La semaine du goût a permis aux enfants de l'école de Grenay de découvrir plein de nouveaux aliments grâce aux ateliers mis en place par l'école et la mairie. Une semaine du goût qui s'est conclue par un petit déjeuner équilibré ce vendredi dernier avec les parents, au cours duquel les enfants ont mis en application ce qu'ils avaient appris sur les aliments. Comment bien manger et de tout? Quels sont les groupes d'aliments?
L'objectif était de sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge aux bonnes habitudes d'alimentation, mais aussi les parents, responsables des achats et des repas, à la maison. Un petit déjeuner avec l'école qui change bien du quotidien et semble régaler les petits. Alors les bonnes habitudes alimentaires se prennent très tôt et c'est aussi dans notre rôle de professeur de les éduquer à ceci. Et les enfants sont aussi le vecteur pour éduquer les familles et les parents. Et ça leur a permis aussi de découvrir de nouveaux produits qu'ils pourront demander à leurs parents d'acheter ces produits par la suite. Alors, on a fait des ateliers du goût tous les jours où les enfants ont parlé de leurs sensations. C'est sucré, c'est salé, c'est amer, c'est acide. Et nous sommes allés aussi mardi dernier sur le marché de Grenay pour acheter les fruits et légumes. Et certains enfants ne connaissaient pas cet endroit et ça leur a permis de découvrir le marché, de nommer les fruits, les légumes et de goûter plein de nouvelles choses. Nous, on est très heureux du succès que ça a. Quasiment tous les enfants ont un parent avec eux. Et on espère pouvoir reconduire l'action dans les années à venir. Ben, nous étions effectivement au collège Descartes-Montaigne de Liévin avec toutes les classes, les élèves scolarisés en 6e. Et j'étais effectivement avec eux, avec ces élèves, pour leur remettre ce qui est une tradition depuis plusieurs années au sein du conseil départemental du Pas-de-Calais, pour leur remettre un outil de travail qui va leur être utile durant toute leur scolarité au collège et bien au-delà. Et cet outil de travail, c'est une calculatrice scientifique que j'ai donc remis à chaque élève de 6e de ce collège. Et je rappelle qu'on a également remis une chasuble fluorescente pour des questions de sécurité, que je leur ai rappelé surtout quand le conseil départemental mettait à disposition par exemple ces bâtiments, ces collèges, dont on sait qu'ils coûtent en moyenne une quinzaine de millions d'euros lorsque l'on en construit un de collège. Et donc c'est pour ça qu'il y a cette grande ambition ici au sein du conseil départemental du Pas-de-Calais. Je l'ai moi-même comme maire de Liévin lorsque je m'occupe effectivement des écoles élémentaires. Oui, l'avenir, on le dit, c'est une formule consacrée, mais elle est plus vraie que toujours. L'avenir, ça passe par la jeunesse. Et notre jeunesse, elle a besoin d'être la plus formée possible. Et donc, c'est pour ça qu'il faut y mettre les moyens en face. C'est ce que nous faisons à la ville, c'est ce que nous faisons au département, c'est ce que font également la région, et c'est ce que font également, c'est ce qu'on fait à l'université. Bref, l'avenir de ce pays passe par sa jeunesse et par une jeunesse formée, qualifiée. À l'occasion de la fête de la science qui dure une semaine du 6 au 14 octobre, l'agglomération de Lens-Liévin a proposé comme chaque année un village des sciences. Dans les Hauts-de-France, ce sont pas moins de 70 acteurs mobilisés dans près de 50 communes, proposant en tout 350 événements gratuits pour le public qui peut poser des questions sur les énergies renouvelables, innovation médicale, découverte spatiale, la robotique, le numérique, partager des échanges avec des astronomes, sociologues, chimistes, médecins, mais participer aussi à des débats, des expériences, des ateliers et des jeux, puisque rappelons-le, le principal but de ce genre de manifestation est de faire découvrir les sciences de manière ludique et amusante grâce à la présence de tous ces amateurs et professionnels des sciences durant 3 jours, comme à la faculté Jean Perrin de Lens, tout au long du week-end dernier. Le village se décompose en une quinzaine d'activités, d'ateliers, tous interactifs. On passe des insectes mimétisme à l'eau, à la géologie, à la paléontologie. On parle également de police scientifique avec notre expert scientifique, M. Choudoba, qui est là durant ces 2 jours. Les ateliers, ce sont essentiellement des associations. On a également des chercheurs, on a également des participants bénévoles, on a des étudiants qui essayent de transmettre leur plaisir de faire des sciences aux plus jeunes. Au niveau de l'agglomération de Lens-Liévin, nos collègues du service déchets et environnement sont là justement pour expliquer les techniques liées au tri. Et pour les plus petits, on leur propose de fabriquer un porte-monnaie à partir d'une brique de lait. On a réussi à toucher cette année un peu plus de collégiens que les années précédentes. Et là, beaucoup de personnes, beaucoup de collégiens ou d'élèves de primaire qui étaient venus le vendredi reviennent avec leur famille et là prennent plus le temps de vraiment découvrir les autres ateliers qu'ils n'ont pas pu voir durant leur visite du vendredi. Le but du village, c'est vraiment de susciter les vocations, donner l'intérêt et puis de se dire qu'on fait des sciences quotidiennement. Vous faites une mayonnaise, vous faites des sciences. Vous faites des crêpes, on fait des sciences. Il n'y a pas de souci là-dessus, mais il faut que chacun d'entre nous se rende compte que les sciences, c'est au quotidien et tout le monde en fait.
Michel Desvignes, paysagiste de la chaîne des parcs et Grand Prix de l'urbanisme 2011, était en visite la semaine dernière sur le parc des glissoires d'Avion et notamment sur le Terry qui devrait voir arriver début octobre les débuts de travaux pour la construction d'un belvédère pour le printemps 2019. Informations sur les paysages et autres détails sur les 7 parcs concernés par ces aménagements seront installés sur ce belvédère. On y attend beaucoup de visiteurs. Retour dans le temps dimanche à Angres. En effet, sur le parking de la mairie, plusieurs voitures anciennes ont stationné durant plus de 2 heures. Il s'agissait en effet d'une association de Grande-Bretagne sur le retour d'un grand rallye touristique d'une semaine organisé dans la région et qui faisait là une halte dans notre secteur. Le rendez-vous, écoutez, c'est l'association qui nous a contactés il y a quelques mois. C'était un projet de venir ici sur le secteur de Angres. Ils ont demandé s'il y avait possibilité d'accueillir des voitures très 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 anciennes et aussi de les nourrir. Donc c'était un challenge pour nous aussi, c'était pas évident. On a contacté Madame le maire et avec Madame le maire et une autre association de Angres. On s'est organisé et puis on a relevé le challenge, quoi. Et pour nous c'est une fierté pour tous les gens de Angres. Et ça nous met une petite animation. Puis découvrir aussi des vieux véhicules. C'est le club, c'est le VCC, c'est le Veteran Car Club of Great Britain. Et puis on a les membres partout dans le monde. C'est les plutôt pour les anciennes voitures. Et le club, ils ont les voitures jusqu'à 1917. On est arrivé à Ypres il y a une semaine. On a fait les monuments, tout ça là-bas. Et puis on est descendu à Mons, on est monté à Rancor, sur la Somme, et on a fait beaucoup de tours, les monuments, Thiepval, etc., etc. Et puis après ça, on a pris le bus, un jour de congé hier, on a pris le bus pour aller à Compiègne, où on a passé un après-midi. Et aujourd'hui, on est en train de remonter chez nous, mais via Angres. On est venu à Angres parce que c'est en route pour Ypres, où on monte ce soir pour la dernière fois. Et puis on va aller à Meningate pour faire une cérémonie avec les voitures, avec tous les membres. De toute façon, mon mari et moi, nous avons fait, il y a 2 ans, on a fait un rallye sur la Somme. Et puis pour l'anniversaire, centième, on est revenu aujourd'hui pour faire l'hommage, si vous voulez, pour la guerre. Hein, parce que ça, c'était le sens du rallye, de manifestation. Et puis, c'est très, très mouvant avec les... Tout ce qu'on a vu. On avait j'ai vu les hommes en larmes. De très jolis véhicules, parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude d'en voir autant aussi réunis chez nous en France. C'est vraiment des voitures de 1900 jusqu'à 1917, comme disait la dame. Par rapport à nous, les Anglais sont très friands de voitures anglaises comme ça. Et eux, ils n'hésitent pas à venir à faire des kilomètres et des kilomètres avec leur voiture. Ils roulent. Ils prennent le bateau, voilà, ça roule. Ils ont juste derrière de l'équipement. Donc j'ai pris contact déjà avec 2-3 personnes de l'association qui sont là pour peut-être organiser quelque chose, soit en Angleterre, aller faire un tour en Angleterre, ou alors qu'ils viennent chez nous. C'est sympa. Mais en attendant, les voitures du rallye Long Long Trail ont continué leur route vers Vimy pour s'arrêter au Monument canadien avant de rejoindre ensuite le Royaume-Uni.